Comme d'habitude, on commence avec, avec l'écran de chargement, hein, pour faire simple, que je vais pouvoir vous afficher. Voilà. Puis on va attendre que ça charge, comme d'hab. Souvent le problème sur ce jeu, je trouve. Mais bon, on va faire avec. Hein. On va faire avec. Oui, confirmé. Et depuis tout à l'heure que je te demande de charger, et puis. Bref, pas grave. Ah, voilà. On est au chapitre 3. Donc, on va jusqu'au quartier des bouchers. Magnifique. Je sens que ça va être coloré, cette histoire. La situation est de pire en pire. Je sais que tu es inquiet, mais laisse un peu de temps au magistère Ludin. Du temps? Du temps pourquoi? Il est pour où? Faire souffrir Hugo encore plus? Il mène des expériences. Si en plus, faut regarder quand on joue. Personne n'est plus compétent que lui. Excusez-moi, mais avec ça. Je peux pas tout faire en même comme temps. Un animal. Non. Il faut trouver une autre solution. Comme cette île dont rêve Hugo. Un rêve? Qu'est-ce qu'on peut faire d'un rêve, Amicia? Continue de veiller sur un lui peu pour tout. Moi. S'il te plaît. C'est ce que je fais. Mais ça ne suffit plus. Ah il est optimiste, le gamin. Hein. Dis donc, Hugo, la défaite. Et, oh! Prisonnier, je peux jeter des trucs, non? Oh, c'est dommage. Ça aurait été marrant. Ils sont tous partis. Ça aurait été marrant. C'est par ici, je crois. J'arrive pas à croire qu'ils ont condamné la reine. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bien qu'une idée. Notre porte devrait être par ici. Oh, sans peste. Eh bien, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. C'est là. Mi-optimiste. Optimiste, pardon, mi-connard. Ok. Drôle de mélange, mais bon. Bref. Bon. Tu es prêt? Allez, ouvre la porte. Ouais. Ah oui. Allons-y. Ah ouais. Pas devoir tout répéter quatre fois non plus. Décidément. Alors, tiens, ça charge. Eh ben, tout ça pour ça. Si, ça valait vachement le coup, dis donc. Ça charge encore et toujours. Oh. De la viande pourrie. Oui, c'est le quartier des bouchers. C'est le plus court pour aller chez l'arboriste. Par ici, oh, des Joe. Belles têtes. Elle est belle, ma volaille. Elle est belle. Vraiment, elle est dégueu, t'as vu. À mon avis, il va y avoir des rats après et on va balancer le cadavre. Ça met l'eau à la bouche, c'est vrai. Vous avez mangé de bœuf, vous ratez quelque chose. Du sang, voilà. Oh les là là, nous n'y sommes pas encore. Et de la merde et des tripes. L'état d'Hugo pourrait empirer à chaque seconde. Magnifique. Vite. Ça va bien se passer. Bon, on descend par où? Pas par là, donc on va aller par là. Je voudrais courir, s'il vous plaît. Rien que ça fonctionne pour changer. Papa est seul à la maison. On y sera bientôt, maman. Laissez-nous passer. Que se passe-t-il? Rien de bon, on dirait. Par ordre du comte Victor Lard, ce quartier est désormais condamné. Il est interdit d'entrer pour votre propre sécurité. Vous ne pouvez pas faire ça. Il va falloir qu'on contourne. Non. Magnifique. Le temps presse. Il y a peut-être un autre chemin. Dites-nous ce qui se passe au moins. J'espère, hein. Pensons à l'intérieur. On sait bien qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous nous cachez? Des gens sont morts. Et où voulez-vous qu'on aille? Il y a une ruelle par là. T'en penses quoi? Par où? T'es où? T'es là?
Tu vois un moyen d'entrer? Attends. Ils vont en trouver un. Je pense. Oh, j'étais juste à côté, mais bon. Oui. Bref, allez. Par ici, Amicia. On va rien faire tout seul. Allez, faufile-toi. Bon, exactement la plus grande faufilade, mais bon. Quelqu'un. On ne fait que passer. La dernière fois que tu faisais que passer, je te rappelle, c'était un peu... Il faut vraiment passer par là. Le bordel, hein. N'y pense pas, retiens ta respiration. Oh, ça a l'air sympa, dis... Ah. Ah, bah merde. Non. Oh. Oh, ça a l'air sympa. Oh, non, me dis pas. Si, j'en ai eu dans la bouche. Ah, bah tu vas crever. J'ai paniqué. Oh, Lucas. Ouais, bah t'es dégueulasse. Des choses qui doivent proliférer là-dedans. Pourquoi diable penses-tu à une chose pareille? Ça sans boulot, hein. De perdre l'esprit. Après tout, il est alchimiste. C'est moi que ça va rendre folle. Dis-toi que c'est seulement une transformation de la matière. Ah, ça rend pas ça plus agréable. Mes bottes sont fichues. Le sol est recouvert de sang. Comme la reine. Tout cet endroit n'est qu'un appât. Pratique que ce soit pas un blanc quand même les passages. Ah, si. Je vais rien pouvoir prendre. J'ai toutes les munitions. Ah non. Des fragments, ok. Il y a une charrette qui bloque. On doit continuer. J'ai besoin de ton aide. D'accord. Et les pousses. Non. Oh. Eh ben c'est les rats. Ça faisait longtemps, hein. Il nous faut de la lumière, vite. Oui, bah, deux secondes. Les rats se répandent déjà. On va encore devoir se frayer un chemin. Excusez-moi. Pense à la belladone, c'est tout ce qui compte. Oui, oui. Un. Bien entendu, il y a encore des habitants. Ils n'ont pas évacué les maisons. Je fais ce que je peux, hein. Comme à la reine. Les brasiers sont trop faibles pour qu'on puisse traverser. Attends, j'ai cherché des pots. Ah. Ici, ça devrait faire un beau passage. La viande les a attirés. Ah bah ouais, ouais. Pas le souci, ça. Ils veulent dévorer cette carcasse, c'est ça? Oui, évidemment. Quelle carcasse? Laquelle de carcasse ils veulent dévorer? Ah. Alors, ici, il faut que je rechange. Ils ne peuvent pas l'atteindre, ce sac. C'est le même que ceux de la charrette. Essaie de l'atteindre avec ta fronde. C'est quoi cette poudre? Du salpêtre. Ça sert à conserver la viande, mais c'est assez épais pour étouffer le feu. Bon à savoir. C'est encore du salpêtre, non? Oui, il y en a plein. Alors ici. Si les gens au dehors savaient, leurs familles sont ici, leurs enfants. L'armée ne pourra pas le cacher longtemps. Ça va être la panique, Lucas. Oui. Seigneur, c'est infesté. Oh, il faut partir. Attends, la lumière. Les habitants? Sans doute. Combien sont restés ici? Un petit peu trop. Ah non, ils restent là. Hein. Pas beau faire. Non, je visais l'autre. Voilà. Le feu, maintenant. Il y a du salpêtre à l'extérieur. Oui. Ça fera l'affaire. Viens, ne reste pas là. Attends, j'en prends un peu. C'est vraiment très utile. C'est bon. Tu peux y aller. Je m'en occupe. Recule. Allez. Va se faire peur. C'est bon. On continue. Oui, beau travail.
J'espère. C'est dégueulasse. Il est hors de la ville, non? Il est peut-être épargné. Dis donc. Prendre la hache, dommage. Ils se sont pas laissés faire. Oh non, un soldat. Hé hey, qu'est-ce que vous fichez là? On le fait que passer. Personne ne doit sortir, ce sont les ordres. Attendez, non. Vous devriez être mort. Il va la lancer. Amicia. Oh, Seigneur. C'était moi une... Tu viens de tuer un soldat de l'armée de Provence. Oh, c'est pas le premier. Je hein. sais. Pourquoi nous a-t-il attaqué? Récupérer la lance, dommage. Regarde, ils tuent les habitants, ils exécutent la population. Hey, reviens ici, enfoiré. Non, mais lâchez-moi. Non, on n'ira pas plus loin. Cette vermine est plus efficace que nous. Il nous tuera sans hésiter s'il nous voit. C'est eux ou nous maintenant. Hugo a besoin de cette pelle. Écoute, tu peux utiliser ce salpêtre contre certains pour préparer de l'extinguis. Ça devrait suffire pour éteindre la torche. Extinguis, d'accord. Alors, on va le fabriquer. Fabriquer plus. Sur la torche pour. Tu sais. Je sais. Ah bah sympa. Ça a marché. On l'a déjà fait par le passé, mais c'est toujours... choquant. Oui. Et je devrais peut-être le refaire. En tout cas, merci. Est-ce que je peux rallumer après? Ouais. Cool. Merde, il monte. Saloperie de réatin. Alors, on va faire des pots d'inifères. Ouais, on va passer par là. Ah bien, reste pas, viens un peu plus dans le... Hein. Passons vite. N'oubliez pas de marquer d'une croix les maisons visitées. Effectivement, évacuer les cadavres hors de la ville. Mais oui, éloignez les corps. Les rats suivront. C'est complètement stupide. Oh. Ah, bah, il est en train de se faire bouffer. C'est dégueulasse. On va refaire de l'unifère. Est-ce que je peux lancer un pot là? Allez, on avance.
faudrait que je fasse. Voilà. Approcher tranquillement. Je pourrais améliorer mon équipement avec un établi. Super. J'ai aucune idée de ce qu'elle raconte, mais c'est pas grave. Ouais. C'est de s'approcher. Des soldats. Non. Il paraît qu'il a placé la ville sous l'autorité de la bête. La bête ? Ça explique le carnage. Ce type est un boucher. Il y a deux torches. Ton pot. Un nuage d'extinguis peut éteindre plusieurs torches. Un pot d'extinguis, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu fabriques? Les rappeurs sont déjà... On a déjà perdu assez de temps. C'est dégueulasse. Ils ont fermé la herse. Il doit bien y avoir un moyen de le rouvrir. Allez, bouffez-les eux, pas nous. Hugo tient le coup. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Ouais. On va donner autre chose à bouffer. Allez, pépère. On va avoir un problème. Quoi ? Il n'y a pas de frein là-dessus. On va devoir courir. C'est ça. Lâche à mon signal. Maintenant. J'arrive. Hop, hop, hop. Allez. Plus vite. Je suis derrière toi. Oh. Oui. Voilà, on est sorti de la ville, on y est arrivé. Pas gagné. Regarde, pas de rats. Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. Oui. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. Et... J'y pense. Dans le laboratoire de dedans, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vue, Lucas. Que dis-tu de ça ? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je tenterai de demander. Merci. Bon, Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Quel silence. C'est étrange. Il y avait des gens ici récemment. Pas de sang, ni de traces de lutte. Cette forge a été utilisée récemment. Rien du tout. Hé, il y a un établi là. Tu peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Tu devrais y jeter un œil. On sait pas ce qui nous attend. Oui, d'accord. Eh oh. Ah, on va être seul établi, je suppose. Tu devrais vraiment te servir de cet établi maintenant. Oui, bah deux secondes. Je peux t'aider à mettre la main sur cette belladone. Bien sûr. Mais gentil, lui. Casse-couille, c'est pour toi qui fais tout. C'est moi. C'est moi. Ouais. Allez, on l'améliore. Ça fond. Alors, mission alchimique supplémentaire. Nouvel anneau, elle peut porter une jarre supplémentaire. Ah, c'est les pots. Voilà. Nouvelle poche à son sac. Ah, une poche, c'est pas déjà un sac pour les sudistes. Les jarres, les couteaux, les pyrites et les carreaux en pièces. Si Amicia n'a plus de place. Super. Son équipement n'importe où sans utiliser l'établi. Bah, ça, c'est utile. Sans quoi en outils, ok. Le
Codex, on s'en fout. Les capacités. D'accord, je suis vraiment un opportuniste. Magnifique. Voilà, je suis au max. Parfait. Voilà. Ça m'aidera bien. Je suis à fond. On peut y aller ? Oui, on sort. Recycler ça, on peut recycler ça. Ici, y a-t-il des trucs en bas qui peuvent nous intéresser ? Il y a un cadavre là. Ah, bah sympa. Non. Non. Poignardé. Mort naturelle et par poignard. Sans doute. Ok, ils ont tout pris en plus, ces salauds. Ah, allez, on ouvre tout. C'est pas vrai. Les rats, ils sont là aussi. Je te l'ai dit. Ça faisait longtemps. Bien des murs. C'est à cause des carcasses. Oui, ils suivent le sang à la trace. Mais on ne sait pas où il s'arrête, ce sang. Oui, progression, progression. Hey ! Non ! Attention ! Hey ! Zigouillez ! Voilà. Je ne m'y attendais pas. Ah bah, les non plus, hein. Cette pourriture ! Je peux te le dire. Je crois qu'on n'a pas fini d'en croiser. Ça doit s'arrêter. Alors, on va prendre un bâton. Allez, on avance, des. Allez, où est cette fichue belladone ? Je sais que c'est l'enfer, mais concentrez-vous sur votre tâche. Nettoyeur, décor, restez dans la lumière. Rappeur, pourquoi vous êtes si agressif ? Armes et nourriture. Vous ne mourrez pas aujourd'hui. Ils se croient en guerre. Une guerre perdue d'avance. Ouais. Hop. Sois plus prudente. Je suis bien assez. Qu'est-ce que tu fais ? N'oublie pas pourquoi nous sommes là. Oui, bah, je me débarrasse. Débarrasse des bonhommes dans le coin, et puis voilà. Hein. Pas plus compliqué. Si j'ai un peu fait le tour. Allez, on va avancer jusque là-bas. Massacrer, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ce sont des soldats. Des bouts de viande avec des épées, oui. Lui s'en vient. Ou moi-même. Là. C'est bon, laissez tout le monde se faire bouffer, des. Non mais. Ça se fait peur, hein. Ça se fait pas. Alors. Le comte a fait une erreur en faisant confiance à la bête. On sait même pas si les gens qu'on tue sont malades. Jusqu'où ça va aller ? La bête, elle agit au moins. Ça ou les hommes paniquent. Je sais. Côte d'extinguis. Bah, et lui, hein, il est pas touché. C'est eux. C'est un coup
ces salopards. Hein ? Un guise à la fronde. Ah putain, il y en a trop. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On s'en a perdu. Alors ici, on va aller les aider à s'alimenter. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'aille aussi ? Tu trembles. Ce n'est rien. Ça va passer. Madeleine y faire. Ah merde. Non, mais il y a des bébêtes. Voilà, voilà. J'espère que c'est le bon chemin. Il fallait être dans l'église ou pas aussi? Allez. Oh. Il a plus ses jambes, lui. Sympa comme coin, quand même. Ça donne vachement envie de visiter. Il devrait utiliser ça pour l'office de tourisme. Rappelez-vous, quand on a vaincu l'espèce de peste bizarre avec des rats et tout. Eh bien, les visiter. C'est tuer des gens. C'est un peu le boulot du soldat quand même. Tuer des gens. Hein, pour résumer, c'est un peu grossièrement. C'est l'herboriste. Que faites-vous avec plantes ? Les docteurs et les malades. Justement, on a besoin de vous et de vos plantes. Silence. Bon sang. Ces cadavres. Je connaissais ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Ce n'est pas l'œuvre des rats. C'est vous! Vous les avez tués! Je veux voir mon épouse! Écoutez, j'ai eu une longue journée et mon épée est encore tiède. Alors? Il faut faire quelque chose! Ils sont encerclés par les rats! Vous voulez mon aide? Ha! Vous êtes déjà tous condamnés! Écoute, l'herboriste, si tu la fermes pas. Vous êtes bientôt malade! Je vais toujours essayer! Et vous regardez pas! Mourir en rive! Non! Sale! Sale pourriture! La mélatone, Lucas! Je sais à quoi l'on sent. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Essaie de te calmer. Tu ne feras rien de bon dans cet état. Me calmer ? Non, non. Ah, il compte rester où il y a le feu. Salopère ! On va rallumer le feu là-bas. Je vous tiens. Ouais. On est découvert. Je sais. Allez, bah attaque-le. Non mais. Voilà. Je crois que c'est bon. Ouais. Oui, bah... Est-ce que je peux, hein ?
Est-ce que je peux... Ah, du coup, comment qu'on fait? Si, je vais rallumer là. Ben, ça va m'en faire des pôles, hein. Hop. Allez hop. Ah, saleté. Allez. Corps. Allez, avanti, papouri. Par contre, lui, il sait tenir le truc tout seul, alors c'est un gamin. On va pas chercher à comprendre, hein. Bien. Je pense qu'on est en sécurité. Je m'en suis assuré. Tu n'avais pas besoin de tous les tuer. Mais si. Tu es heureux de ne pas être dans une charrette. Allez, tous les buter. Lucas, dis-moi, c'est nécessaire. Nous sommes chez l'herboriste. Il faut chercher. Dis-moi à quoi ressemble la belladone. Cherche une fleur violette. En forme d'étoile. Étoile violette. Étoile violette. La voilà. Non, pas la bonne forme. Ce n'est pas grave. Continue de chercher. Oh, pas de fleur ici. Ton sang, concentre-toi. Hé, on y est. Tout va bien se passer. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh, il est pas ici, Lucas. Je sais. Allons dans la maison. Oui, elle doit être là-bas. Des outils de jardin. Oh, c'est une blague. Il n'y a que de la camelote. Oh, ça ne mène à rien. Et je suis Attends. Là, au lieu d'être à ses côtés. Comment on va retourner là-bas? J'ai les mains moites. Tous ceux qui se cachent. Amicia, ah, merde. Des soldats. Viens voir par on toi-même. On n'a pas beaucoup de temps, alors remuez-vous. Vous, patrouillez ici. Donnez l'alerte si vous voyez un de ces maudits rats. Les autres avec moi! Prenez tout ce qui a de la valeur! Nourriture, médicaments, tout! Non. Ils vont entrer. Qu'est-ce qu'on fait? Hé! Hey. Quoi? T'as pas l'air bien. Mais si. Non, pas du tout. T'arrives même plus à respirer. J'ai le vertige. Mon cœur s'emballe. Mmh. Oui, il y en a une aussi qui est malade. Je sais. Écoute. Les soldats vont emporter tout ce qu'il y a ici. Je dois récupérer. Il a l'œil vitreux, dis donc. La belladone avant eux. Il le faut. Non. Tu ne peux rien faire dans cet état. J'y vais. Je serai discret. Ça ira. Eh ben. Si jamais il... Alors je m'enfuirai. Ce ne sera pas la première fois. Super. Touché aussi par la maladie, non? Celui-là, il va être juste là. Ah non. Bref. Ça a l'air sympa entre les corbeaux morts, les branches et les cailloux ici. Arrête d'avoir peur. Vas-y. Stop. Ne te retiens plus. Stop.
Lucas, il est vivant. Oh, salaud, attendez que j'arrive. Peut-être. Je sais où vous trouvez. Hop, pleine tête aussi. Voilà. Rien. Passons à autre chose. Qu'est-ce qu'il fait par terre, lui ? On se lève, allez ! L'un d'entre nous s'est fait tuer. Alerte ! Qui me voit pas lui pendant que hop pleine tête. Alors c'est là que vous vous prenez fin. Hop. On chie à avoir des casses, c'est con. Hop hop hop. Comme ça, j'ai zigouillé à peu près tout le monde. Tout le monde, je cherche même plus. Parle petit, qui est avec toi ? Allez, comme toi ne serais pas arrivé ici tout seul. Parle vite ou je te tue. Laissez-moi partir. Allez hop. Ils t'ont fait du mal ? Je m'en remettrai. Merci. Celui-là a compris la leçon. Sale chien galeux. Hé, oublie ce soldat. J'ai trouvé la Belladone. Ah il bah quand même. Parte. J'ai entendu des cris dans la grotte. Ils arrivent. Va te cacher. Je m'occupe d'eux. Non. On a ce qu'on voulait. Partons d'ici. Non. Ils vont nous suivre. Et j'en ai assez de fuir. Un homme à terre. Il y a déjà un tru. Alerte. C'est ça. Venez. Je vous attends. Hey. Vous plaît tous. Salaud. Tiens, prends ça. C'est moi que vous voulez. Tu vois, t'es moi que rien, aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Non. Je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais leur montrer que c'est terminé. T'es qui, toi? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il a un bouclier. Attention, une autre ruse. Elle est armée. Vise les sacs, Amicia. Ça va les aveugler. Oui. Allez hop. Alors, ça te plaît, hein? Quand tu trouves à qui parler? Ils sont trop nombreux. Il faut qu'on parte, vite. Pars si tu veux. C'est mon territoire maintenant. Ils vont tous mourir. Tu es mort. Ah oui. Viens alors. Montre-moi comment tu vas faire. C'est tout ce que vous avez. Allez. Tu dois arrêter ça. Tu te trompes, tu as peur. Tu vois là, style est chez eux. Oui, suis-moi, ton chien. Arrêtez-la. C'est une gamine qui se met dur. Ouais, une gamine qui vous massacre. Patience, ton tour viendra bien. Ici, remettez-la à sa place. Oui, venez. Je vous attends, vous voyez. C'est moi qui fixe les règles maintenant. Ça suffit. Oh, ouais. Non, vous l'avez déjà perdu. T'es mort, tu m'entends? Allez, bute-les. Hop, alors juste, on va faire des pots d'extinguisse, là.
Voilà. Et on va buter l'autre aussi, tant qu'on y est. Allez, hop. Ah, elle est plus compliquée avec lui. Ça va être plus compliqué. On ne l'a pas fini. Ah bon, merde. Zut alors. N'espérez pas une mort rapide après ce que vous avez fait. On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous, avant de vous pendre. Bah, c'est joyeux, les droits de l'enfant, là. Non mais oh. Tu devrais t'asseoir. Et c'est tout ce que tu as à dire. Bah oui, arrête de faire ta pleureuse. Tu peux faire mieux que ça. Il y a toute une garnison ici. Tu devrais te laisser un peu aller. Arrête. Non. Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis. On était juste censé ramener des plantes. Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle? Et sans sa sœur qui va finir pendue? J'ai fait une erreur, d'accord? Ouais. Alors là, faut reconnaître. Faut reconnaître que... Je comprends pas du tout ce qui m'arrive, Lucas. Un peu déconné. J'ai l'impression de devenir folle. T'es sanguinaire, c'est tout. Oui, parce que ce monde fait souffrir. Encore et encore. Et tu veux pas lui faire folle, payer. Tout de suite. Mais c'est un combat perdu d'avance. Non, ouais, t'es sanguinaire, quoi. Tu n'es pas comme eux. Tu es une de rune. Hein? Ça change quelque chose? La potence est bientôt prête. Préparez les condamnés. Allez, on va se farcir tout le monde. Écoute. Ça s'active avec du feu. Attends mon signal. Dehors, vous deux. La corde vous attend. T'es un peu expéditif, non? Prêt. J'attends ton signal. Restez là. On va attendre le bourreau. Il doit en finir avec quelqu'un, là. Tenez-vous bien devant la bête. Il faut qu'on se dépêche. Vous êtes que des morceaux de viande. Non. Juste bon pour les camps. Allez hop. Les escaliers, vite. Ça ne durera non. pas. C'était quoi? J'appelle ça stupéfaction. Tu t'y feras. C'était efficace. Oh, ils sont toujours pas frondes. Ce n'est pas le moment. Bah si, elle me serait bien utile, connard. Ça va les ralentir. Tu nous as sauvé la vie là-bas. Oui. Mais c'est oui. pas fini. Où va-t-on maintenant? Il doit bien y avoir une passerelle ou un toit. Il y a une fenêtre là. Elle surplombe un toit, Lucas. Pas le choix. Oh, Seigneur, c'est haut. C'est sans danger? En quelque sorte. Viens. Mais j'irai pas jusque là, mais bon. Oh, wow. C'est pas du tout sans danger. Chut, calme-toi. Viens, je crois que c'est la seule façon de sortir d'ici. Tu plaisantes? Oh putain, ouais, c'est très haut. Reste collé au mur. Oh, pitié, pitié, pitié. Allez, tu peux y arriver. Ah, tu pètes pas la gueule maintenant, je pourrais pas te rattraper, hein. Là, honnêtement, je m'en moque. Il y a un autre toit. On y est presque. Oh, on a réussi. Descendons de ce toit, par pitié. J'espère qu'ils ont réussi à... Regarde, je ne peux rien faire. Dépassons-le en silence. Allez. Viens alors. C'est quoi? Ouais, depuis les faubourgs, les portes du quartier débouché. Ah, alors c'est vous qui êtes tombé sur la folle, hein? Ouais, cette foutue sorcière, ça va. La bête l'a eu. Et on a trouvé assez de viande. Ah, c'est lui, la bête. Au boulot. Oh. Allez au dépôt, vite. La fille va être pendue sous peu. Il va y avoir beaucoup. T'es l'autre con. Oh, j'y serai. Tu parles. Ce chariot, Amicia, la Belladone devrait y être. Et ta fronde aussi, peut-être. On ne peut pas prendre le risque. Hugo a besoin de nous. On fera ça. Oui, c'est plus sage. Ah.
Alors ici. Un autre garde. Il y a partout de ces putains de gardes là. Mais il y a un feu. Tu as toujours cette chose qui fait de la fumée. Le stupéfaction. Oui, Lucas, lance un stupéfaction. Bien sûr. Prépare-toi. Vite. On n'a pas beaucoup de allez, temps. Allez, allez. Heureusement qu'ils en font des caisses, hein. Hugo est quelque part là-bas. J'espère qu'il va bien. Les jours de la ville sont comptés. Oui. Retournons à la maison. Vraiment ? À quoi ça sert de faire des réserves pour un siège ? Je dis pas que les gens vont pas paniquer, mais des émeutes... Ils vont vouloir quitter la ville. Mais quand ils comprennent... Tu sais où on doit aller ? Non. Mais continue d'avancer. Au fait, t'as fini ? Sous la table. Vite. Oh non! Nettoyez la réserve! Je fais que ça depuis deux jours! Laisse-moi faire une pause, bon sang! Ne bouge pas! Ouais. Allons-y! Je suis mort de fatigue. Je dors plus avec tout ce qui se passe. Alors oui, ils sont très très bons, ou ils sont... les gardes sont très très cons. Hein. Bien, on va y arriver, bien sûr. La grande porte est juste là. C'est tout près. Il faut qu'on descende. J'ai tellement hâte de rentrer. Mère sera furieuse. Tout est perdu par ma faute. Inutile d'y penser maintenant. Dommage que je puisse pas prendre... marquer des flèches. Vraiment dommage. Oui, je parle plus du coup, je suis en pleine infiltration, vous m'excuserez. Alors... Ils ont tout piqué, c'est con. Que la belladone doit être ici. Et ma fronde aussi. D'accord. Tu cherches la belladone. Et moi, je cherche ma fronde. Elle pourrait servir. Oui, la belladone. J'espère qu'elle est toujours bien emballée. Alors. Des armes. Épée. Dague. Oh, pas de fronde. Peut-être ailleurs. Non, mais la dague, tu pourrais peut-être la prendre, quoi. Ne vienne. On serait. Non. Ne dis plus rien. Oui. Plantes séchées, poudre. Oh, cherche encore. Alors. Ici, ici, ici. Alors. Comment non. Mais ça, ça pourrait quand même être utile. Mais où se cache cette belladone ? Ouais. Oui, personne débarque à ce moment-là. Ça me dit qu'il peut y avoir des reins. Oh, s'il vous plaît. Pour remonter. Non. Où l'ont-ils mis ? Oh, les forces démons quelque part. Peut-être ici. Non. Gardons ça pour plus tard. Ici, rien. C'est quoi ça? Elle est où, cette belladone? Non. Bien, hop. Des fragments, super. Ça m'aide vachement. Ah. Allez, allez. Cette odeur. Oh, quelle pagaille! Oui. Pitié, pitié! Ils peuvent arriver n'importe quand! L'alchimiste a toujours du flair. Plus qu'à trouver ma fronde, et on peut filer. Je vais voir à la porte. Tu vas nulle part, tu fais ce que je te dis, ouais.
Espérons qu'ils arrivent pas. Fermé. Peut-être avec un couteau. Il faut que je trouve un couteau, du coup. Oh, te voilà. Je l'ai. Attention avec ça, d'accord? Je sais. Allons à la porte et sortons vite d'ici. Qui c'est que ça? C'était quoi ça? J'ai cassé un couteau. Mais ça valait le coup. Il y a plein de choses là-dedans. Je vais devoir ouvrir l'œil. On pourrait trouver d'autres coffres. Allez. Couteau amélioré. Ça devrait me simplifier un peu la vie. C'est bien mieux. Ça a l'air très bien. Ok, et... Et ben voilà, j'étais à fond. Le codex, on s'en fout. Capacité, j'ai augmenté mon agressivité. Ah, en fait, elle a complètement pété un steak, quoi. Inventaire plein. Ok. Hop. Par contre, du coup, je n'ai plus de couteau. Ça, ça a l'air trop bien d'accroché, hein. J'ai trop envie de le faire basculer, mais je ne peux pas. Alors, par contre, il va falloir que je retourne ouvrir la porte. Alors... Elle peut pas un peu se bouger la couenne. Non mais oh. Ici, oh, des infos. Mais oui. Lucas, ils ont une carte de la Guyane. Vraiment? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sert de carte. La mer est là. Le lac. La maison était... par ici, je dirais. Ouais. Oh. Hé, arrête. Tu te fais du mal avec tout ça. Oui. C'est... Oui, mais bon. C'est du passé. Attends. Ok. Ça n'a servi à rien. Magnifique. Je peux aller ouvrir le reste ou pas, tiens? Récupérer des couteaux, des trucs comme ça, non? Non, bon, bah ok. Alors. Maintenant, comment on va sortir? Bientôt? Je sais pas et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Ton sang, la sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. Et on ne peut pas rester non plus. On a besoin d'un plan. Oh, j'en sais rien. Cet endroit est plein de choses. Jetons un coup d'œil. Bien sûr. Tu vois ce que je vois? Quoi? Là-haut. La baliste. Écoute. J'ai trouvé assez de matériaux pour faire une grande quantité de stupéfactions. On peut en enduire la pointe du carreau, le décocher et espérer que la friction de l'impact suffira à embraser la substance. Et on aura assez de fumée pour tous les aveugler. Si ça marche. On n'a pas de meilleure idée. Faisons descendre cette baliste. Je vois une manivelle là-haut. Comment faire pour monter? Je ne vois rien. Il doit y avoir un moyen. Hé, va chercher plus d'hommes. On double toutes les patrouilles. Dépêchons-nous. Ils seront bientôt encore plus nombreux. Je ne sais pas. Regarde-moi cette pagaille. Ça pourrait être... Là, j'ai trouvé un chariot. Oui, bien joué. Mettons-le en place. Bah allez. Thank you.
Ah d'accord, c'était ça. C'est bien trop calme. La pagaille en ville doit jouer en notre faveur. Oui, ils ont peur. Ouais. Oh, c'est glauque ce bruit de bouillasse. Hein. Allez. La manivelle maintenant. Allons-y. Oh, ce truc est lourd. Tu as déjà utilisé quelque chose comme ça? Bien sûr que non. Contrepoids. Je peux me charger de cette manivelle si tu veux. Oui. Ouais. On doit pouvoir se débarrasser de cette chaîne. Lucas, occupe-toi de ça, s'il te plaît. Bien sûr. On descend. Y'a rien là. Ça marche. Oui. Voilà. La chaîne est coupée. Tu peux lâcher. Bien. Amenons-la à la porte. Vite. Allez. C'est quand même bien pratique hein, qu'ils aient laissé ça là. On n'a qu'une seule chance. Je sais. Si on rate, Hugo sera seul. Et on mourra. Et on veut éviter ça. Ouais, ce serait mieux, ouais. Attends, le stupéfaction. C'est de la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Allez. C'est bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté. Je m'en charge. Alors, tu vas ouvrir les portes? Non. Tu dois tirer au travers. Le réactif a besoin de friction. Quoi? Mais on sait même pas si ça va traverser. Trop tard pour s'en soucier. C'est malin, le petit. Hein. Allez! Allez, on se bat en courant. Enfonce. Ah bah ils sont rentrés, tiens. Enfin, vous avez mis tant de temps. Eh bien, je... L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Comment va-t-il? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Tout va bien. Il est en de bonnes mains, les meilleurs, je t'assure. Oui, ça vaudrait mieux. Bah, tiens. Surtout pour vous. Non. On va dire qu'il sait pas ce qu'il fait. Hein. Bon, bah, on a fait le chapitre 3. Moi, je vous propose... de garder le chapitre 4 pour une prochaine. Hein. Sûrement revenir un petit peu après. Ouais, on va garder le chapitre 4 pour une prochaine fois. Puis voilà, en fait, en toute simplicité. Allez, on va laisser passer un petit peu l'histoire. Non. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait 2 jours! Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là. Amicia, un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute. Et plus vous le faites souffrir, plus les rats se répandent, et plus il sème la mort. C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magister, je vous... Ouais, bah. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Non. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez,
Il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la Macula. On C'est doit... le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Elle va Accepte gagner. Accepte le destin de ton voilà. petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Mais on a rien à foutre. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas. Et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Pas avant de t'être calmé. Tu l'as dit toi-même. La Macula se nourrit de ses émotions. Ah! Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'ordre à Marseille et ce dès que possible. Marseille. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Lucas, tu veux penser tranquille. Va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia. Viens avec moi. Ouais. Alors tu as encore plein de monde. Soyez prudent. S'il te plaît. Compte là-dessus et bois de l'eau, hein. Est-ce que... Bon, est-ce que ça va? Bah voilà. Non. On a atteint la sauvegarde. Je voulais t'en parler, eh, mais... Bah tiens, salaud. On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça. Seigneur, je peux pas... Oh, continuons. D'accord. Bon, allez. Je vous dis à la prochaine. Et puis, bah, on fera la suite. Donc, le chapitre 4, le devoir d'une protectrice. Allez, salut.